Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Let's Play sur Total War. J'allais dire Warhammer, non, c'est Total War Napoléon, avec un mode pour la Première Guerre mondiale. Donc, qui a l'air plutôt bien foutu. Donc, dans le cadre de ce mode, je joue évidemment l'armée française. Je vais pas m'amuser à aller jouer autre chose. C'est pas possible. Donc, manifestement, ils ont gardé les factions alliées, machin. Donc, je suis en paix avec la Hollande, allié avec la Belgique et l'Angleterre. Italie, c'est bon. L'Espagne, en paix. En paix avec Milan. En paix avec la Suisse. Et en guerre avec la Germanie. Ok. Bon, par contre, je ne trouve pas du tout d'armée. Building Browser, non. Ce que je voudrais, c'est mon... Troop Browser, ça existe pas. Vite. Alors, j'ai une armée à Caen. C'est quoi? Ah si, j'ai pas mal d'armes en fait. On a Hercule. En avant, marchez. Oh, d'accord, c'est vraiment une armée. Alors, on a quoi? On a des canons de terrain, de la cavalerie, de l'infanterie. De l'infanterie territoriale. Ok, admettons. Alors, il va falloir qu'on construise un peu tout notre bordel. Donc ça, c'est quoi? Législature. National, pas mal de bonus, c'est pas ok. Ça c'est une baraque qui nous permettrait de... Okay, donc ça débloque des recherches, ça ne débloque pas de nouvelles troupes par contre. Ok, bon, on va déjà commencer par améliorer la santé générale du royaume, avec des petits bâtiments comme ça. Bâtiment industriel. Ensuite, au niveau des recherches, j'ai mis un truc en recherche normalement. J'ai mis les chenilles de Caterpillar Trax, les chenilles en fait. Je recherche des chenilles. Ok. Ensuite, diplomatiquement parlant. Ok. Donc, on est friendly avec les Russes. J'aurais pas dit ça, moi aussi. D'accord, donc là, je suis en accord commercial avec l'Italie, c'est très bien. En guerre avec ces connards-là, et la France, évidemment. Je vais pas être en guerre avec la France. Donc là, on a des accords commerciaux disponibles. Avec la Hollande, on peut peut-être dealer du... des herbes douces. L'Espagne, tiens, je vais être... eh ben, allez. Bah, écoute, à ce niveau-là, ils sont plutôt sympas, les mecs. Impeccable. Bon, écoute, je commerce avec la moitié du monde connu. Ok, fin du tour. On est où, là? Ah, c'est en Angleterre, c'est ça? Attends, je ne sais pas... C'est pas un général, quoi. C'est un général, ça. Cuirassier... Bah non, c'est pas un général. Oh, attends, Joseph Joffre. C'est un général connu, ça, Joffre. Henri-Philippe Joseph, je connais pas, et Césaire, je sais pas quoi. Et Marie... Joffre, on le connaît. Président suisse. Ah ouais, voilà, je joue aucun généraux, quoi. Attends, c'est semblé. Ah ouais, attends. Ah, voilà, maintenant je peux recruter. Oh, bah alors. Hop, vas-y. J'ai l'impression que ça va être compliqué, je sais pas pourquoi. Par contre,
La tour Eiffel. Comment dire? Par contre, ils ont vraiment fait des renforts. Ils ont vraiment fait des progrès au niveau de l'interface, parce que là, l'interface de Napoléon, elle est vieillotte, hein, salope. Elle est vieillotte. C'est quoi ça? Des champs? Des champs et une caserne, d'accord, c'est bien. Ici, on va pouvoir faire un village. On n'a pas... on a Reims, Paris... Putain, il n'y a pas Amiens. Il y a même pas Amiens. C'est quoi ce délire, là? D'accord, ouais. C'est un béton, hein. Ouais, on recherche une technologie. Pourquoi c'est encore écrit 4? C'est une gueule, ou? C'est 4 tours depuis le début, je l'ai mis en route. Tu serais-tu pas en train de m'arnaquer, espèce de petite... Alors, l'Espagne. L'Espagne veut une alliance militaire avec ma gueule. Ouais. J'ai envie de te dire, admettons. C'est pas comme ça. On est où? Encore un tour. Au niveau de mes recherches, est-ce que ça a avancé? Ah ouais, 3 tours. Je pense qu'il a merdé là, juste avant, c'est bizarre. C'est quoi, un moulin industriel? Trouve-moi un peu. Ça nous permettrait d'avoir des howitzers. Pas trop ce que c'est. Ça peut pas augmenter. Allez, vas-y. Où sont mes sous? 4970. Ça c'est le port de Marseille, hein. Respectons le port de Marseille quand même, sinon je vais être dans la merde. Donc. Encore un petit tour de recrutement pour monsieur, puis après on va aller testouiller le mode un petit peu, voir s'il y a moyen de tuer les gens. Ça reste la base, hein, on joue à Total War, on joue pas à Total Peace, quoi. Ah bah tiens. Pour se rapprocher tranquillement. C'est un Allemand, ça, hein? Ouais. Deux tours pour recruter de l'infanterie territoriale. Fous de ma gueule. T'as de fois de ma gueule. Ouais. 24 tours. Ça fait quoi d'avoir la tour Eiffel, admettons? Qui a une gueule d'arc de triomphe, mais... Ça augmente le prestige. Super. Marché, ouais, si tu veux, ouais. Octobre 1914. L'armée allemande se dirigeait vers Reims. Oh merde, Bruxelles, ça s'est fait... Oh merde. Ils ont pété Bruxelles. Jeannot Jacquard, chercheur, ok. Tu peux chercher. Oui. Ok, il se met à rechercher, c'est bien. Un chercheur qui recherche, moi j'ai envie de te dire, je suis admiratif. Alors t'as quoi dans ton armée, gros? Oh là là. Ouais. Pas envie d'y aller. Le diable les prenne jusqu'au dernier.
lance les uns après les autres, par ordre de rang. Okay. Un général de haut rang déploie ses troupes après un général moins gradé. Il peut ainsi voir comment un petit général ennemi place ses hommes et engager ses forces en connaissance de cause. Alors, la portée de cette petite... c'est quoi? Dis-moi un peu. C'est ça? C'est le truc bleu? Non, lui, il tire jusque-là, c'est en rouge. Lui, il tire moins loin, apparemment. Ah, j'aurais tendance à dire que... J'en sais rien. Putain, je peux pas faire. C'est quoi la croix? La cavalerie, d'accord. Oh. Une chaleur ou un froid extrême entraîne un surcroît d'épuisement chez les unités qui ne sont pas habituées à vivre et à se battre par de telles températures. Certaines unités y sont résistantes par nature et ne subissent aucune pénalité. Vendre. Monsieur. Ah, faut que je la déploie. Attends. Hein. Démontez l'avant-train. Lancez des ordres. Si, un truc comme ça. Attendez mon commandement. Attendez mon ordre. Vos ordres. Non, tire à volonté, vas-y, pas plaisir. Alors attends. Là, ils sont en train de poser les tanks. Ils sont en train de poser les canons, ils enlèvent les choux. Putain, c'est excellent. Oh, Ah oui. Ah bah oui, non mais lui il savait que. Ah bah oui. Ah bah oui, mais non. Déjà, l'ambiance sonore est plutôt sympa. Tu fais quelque chose ou pas? Oh putain, c'était quoi ça? Ah, c'est moi qui ai tiré. Oui, d'accord. Je les ai pas déployés. Tout. Pourquoi ça fume comme ça? J'arrive pas à dire si il tire ces deux cons là en fait. Attends, lui je t'ai mis en... Non? Oh les putains de boches. C'est quoi ça? Ça, j'aurais peut-être pu m'abriter derrière ces trucs. J'arrive même pas à dire si la bataille a réellement commencé. Lui, je sais pas ce qu'il fait. D'accord, mais t'as tiré sur quoi depuis tout à l'heure? J'ai l'impression que tu te fous un petit peu de ma gueule, toi, non? Vas-y, tu tires, toi? Vas-y, ça tire. Bon, attends. On va savoir s'ils sont efficaces ou pas, quoi. J'ai une petite unité de cavalerie là. On va essayer d'en faire quelque chose quand même. Il est quoi, général? Il est cavalier aussi. Une infanterie peu expérimentée est une cible idéale pour faire cacher. Elle peut protéger. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est. Retrait, monsieur. Faire avancer ces copains là. Merde. Eh ben. Bienvenue Dimitri.
Bienvenue dans le Grougistan. J'ai encore oublié de désactiver mon truc après le live. D'accord, ça c'est du soldat français qui fuit. Hein. Voilà. Ouais, immédiatement. Je suis plutôt d'accord. Hein. Est-ce que... Hop. On va essayer de faire ça. Ah, mais si, les gars, ça fuit aussi de leur côté. Ça marche ou pas, ça? Genre une charge au corps à corps en 1940 et... 14 1914, pardon. pardon. Ça a fonctionné pas ma charge alors? Où est ma cavalerie? Oh, cavalerie elle est en PLS. Ouais, par contre ici y a pas de raison que je me fasse ouais. Honnêtement, il n'y a pas de raison. L'infanterie française, tu avances. Je sais pas pourquoi je rajoute française, on sait que ton infanterie est française, quoi. T'as pas changé d'armée en cours de route, quoi. Mais je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire défoncer. D'accord. Bon. Non, mais il faut. C'est des nouveaux. Des nouveaux. On réflexe ça, quoi. D'accord. Honnêtement, de la cavalerie, entre guillemets, d'élite, qui se fait démonter par... par des canons, ça fait un peu mal au cul, quand même. Allez, tuez-les-moi, ces putains de boches. Allez. Ah oui, alors oui, bon, pendant ce let's play, il risque d'y avoir pas mal de... Pas de racisme anti-allemand, mais anti-nazi, on va dire, je sais pas si on peut dire ça. Allez, bam. Ah bah oui, avec votre casque à pointe là. Fallait pas me chercher non plus, hein, oui. On est où, ça peut être pas mal, mais. Mais c'est fou. Bon, mes canons servent à mon cul, hein, on est plutôt d'accord. Ça, c'est ma cavalerie, enfin ma cavalerie en général, même. Là, normalement, j'ai 8 canons. J'ai 8 canons qui sont sur sa gueule à lui. Là, mais... J'aurais tendance qu'il n'a un peu rien à foutre en fait. Hein. Mais on vise aussi mal que ça là. Tu m'étonnes que l'armée française n'a pas fait long feu à l'époque. Non mais sérieux. Il clignote, mais ils reviennent toujours, ces enfoirés. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu tires pas? Regarde ça, les trous d'obus qu'il y a partout. Truc de fou. Je
évidemment, on fait à volonté. Il tire sur qui, eux? Eux deux, ils sont quatre. Allez, vas-y, avance un peu le temps le plus vite, merci. Non, mais ce qui est fou, c'est... Au bout d'un moment, arrête de clignoter, puis crève, quoi. J'ai l'impression... Ouais, je pense qu'ils vont... Ils vont pas nous faire chier avec les munitions, par contre. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Qui ça? Qui c'est qui bat en retraite? Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, ta gueule. Toi, l'état-major des généraux, juste tu fermes ta gueule. Non, sans déconner. Vas-y, avance rapide, bro. Merci. Et on va me faire chier avec... On va me faire chier avec ton artillerie à la con. Je comprends pas pourquoi il dit que... Tu vois, le rapport de force, il est carrément en mode défaveur. Si tu regardes la minimap, toutes ces unités sont en déroute quasiment. Ça c'est le général ennemi, d'accord. C'est quand même dingue le temps qu'il faut pour tuer 4 connards avec leurs chevaux, quoi. Enfin, sérieux. Bon, je ne sais pas combien de temps il faut pour tuer un cheval. Hein, j'ai jamais tenté le coup, vous me direz. Mais ça fait long quand même. Hein. Infligera un mauvais coup. J'aimerais bien tuer un général, mais... Lui, manifestement, il a pas l'air chaud. Ah bah, eh ben, on a touché, mon gars. C'est pas à moi. Est-ce qu'on a des informations de la route? Bon, après, j'ai l'impression que c'est vraiment le... Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est vraiment la troupe de base, quoi. C'est le troufion de base. C'est normal qu'on ait pas énormément d'options dessus. En espérant que sur les autres unités, ce soit un peu plus... complet, rigolo... différent, quoi. Il faut essayer d'avancer un petit peu, c'est... Ce qui est sûr, c'est que mon artillerie à cette bataille n'est strictement rien. Je regardais un petit peu les stats de... À la fin, on a les stats, tu sais, ce qu'ils ont tué, tout ça. Mais regarde, ils ont même pas pris un grade. Je l'ai peut-être certainement mal utilisé, mais... Et petit à petit, on est en train de gagner au niveau de la barre de puissance, là. Hop, on va se faire 7 unités de machin. Bon, puis après, il va nous rester le général qui court, là, comme une catin depuis le début. Ah oui, une catin, que je te dise d'autre. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Bah, end battle, bien sûr. Héroïque, oh, victoire héroïque. Alors, ça.
Des statistiques. Sympa les écrans de chargement. Présentés ici, ainsi qu'un décompte de chacune de vos unités survivantes dans votre bon, armée. Donc on a eu pas mal d'XP. Ah, regarde, il a pris un grade quand même. De chaque unité. Alors, Battle Statistics, Field Guns, c'est ça. Hein. 31 kills, 15 kills. Tandis que 200 kills. Ouais, bah oui, bah oui. Bon, c'est cool, on s'est fait une victoire. Tu peux les finir ? Gagner une bataille n'est pas qu'une question de nombre d'unités. Oh, t'es chié, toi. L'habileté du combat. Oh, on va le faire en autorisant. Les unités sont essentielles. Regarde toutes les armées. Mais non. Finis-le, quoi. Une très grande armée ou marine de guerre, étendue sur deux piles d'unités ou plus, risque de ne pas pouvoir se battre. Hein, la capitale d'une région en est le point de. Ah, mais tais-toi, madame. Non, sérieux, tu saoules, tais-toi. Alors, Du coup, le maréchal Joffre, il est mort, en fait. Ah, t'as fait le con, là, Krog. Ah non, t'as trop fait le con, gros. On se part, on s'en recrute un autre. Henri-Philippe Joseph, Joseph-Jacques Césaire et Pierre Ruffet. Bon, oh, ça doit pas être des mecs connus, tout ça. Ouais, je le veux, lui. Ah, il coûte cher. C'est ce qu'ils font les Italiens. Mais les Italiens, ils étaient pas dans les forces de l'axe. Je sais plus. Sur le champ de bataille. Chaque fois qu'une bataille est remportée ou un territoire conquis, le peuple. Là, on a fini les chenilles, on va pouvoir faire d'autres recherches. Tais-toi, madame. Non mais tais-toi ta gueule en fait. Hein. Ça, non mais voilà, franchement, il n'y a pas de. Ok. Des soldats peuvent être stationnés à l'intérieur d'une ville pour la protéger en cas d'attaque. En même temps, ils agissent également comme moyen de dissuasion contre toute tendance rebelle parmi la population. Ah. Ça va nous faire popper des avions de reconnaissance. Alors, au niveau des recherches, on peut monter. Cette fenêtre est utilisée pour faire des recherches dans de nouvelles technologies. T'es en train de faire la radio, c'est ça? Sur ses rivaux. Pour commencer, sélectionnez simplement mobilisation de map. Eh, tout ça c'est militaire, c'est industriel et ça c'est civil, d'accord. Ouais. Ouais. Écoute, on va continuer sur les technologies civiles pour l'instant. Un petit bug son là. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est le bruit d'un chemin de fer, une connerie comme ça. C'est quoi ça? Une ville sans garnison, ouais, crée automatiquement des citoyens armés. L'avènement des vignobles a fait passer la production de vin de l'industrie artisanale à petite échelle à une source principale de revenus commerciaux. Développer des vignobles dans ces régions où les raisins poussent naturellement grâce au climat. Du pognon, mais moins de bonheur. Par contre, la large town, ça fait moins de bonheur? Ça fait pas moins de bonheur. Donc, on va faire des large town. Ça c'est quoi? Municipal administration. Vas-y, montre-moi. D'accord. Moins 2%, plus de votre question. Bien. Ça c'est bien, ça. Ok. J'ai recruté mon général, hein. Lorsque vous recrutez un nouveau général ou un nouvel amiral, plusieurs candidats vous sont proposés. Est-ce que tu peux recruter quelque chose? Choisissez. Ta gueule, madame! La modernisation du site. Cet onglet indique. Non, faut vraiment que tu fermes ta gueule, je te jure. Purée. Tu fermes bien ta bouche. Mortier napoléonien. Alors, ça c'est quoi? Rifle Infantry et Chasseur. Alors, portée 145, ok. Visée 77, d'accord.
morale et tout ça, c'est bon, c'est pareil. Donc, les vieux d'infanterie légère, c'est mieux. Ouh, par contre, regarde, ça a l'air d'être assez merdique. Ah ouais, d'accord. D'accord. Cette artillerie-là a porté 1700. Et le 350. Ah, mais il n'y a pas de damage. Je voudrais le damage. Oh non, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Je préfère prendre un comme ça que trois trucs qui me serviront jamais, quoi. D'accord. J'ai pas le droit de les recruter, en fait. Ça coûte trop cher. Les chasseurs, j'ai le droit qu'à un. D'accord. J'ai vraiment plus une thune, en fait. Il y a petits bugs sont par-ci par-là quand même. Bah, c'est quoi ça? Des voitures, des trains? C'est quoi le délire? L'usure est une raréfaction des troupes au sein d'une unité, due entre autres aux désertions. Chut. Ok, bon, un milieu vert, je vais te laisser là pour ce premier épisode, donc t'hésites pas à liker, commenter, partager, hein. Tu t'abonnes si t'es pas encore abonné, et surtout tu me laisses un commentaire, c'est important, hein, sur les premiers let's play d'une série, vous mettez un commentaire, ça me plaît pas, continue, fais autre chose, lâche-toi dans les commentaires, dis-moi un peu ce qu'on fait par la suite, et je t'écouterai. Des bisous, à demain, ciao ciao.